Et bonjour, donc nous voici pour la petite présentation, puisque je pense qu'on va faire les trois de Honnay Combes. Honnay Ouais, Combes? sûrement. Ouais. Bon, de toute façon, c'est marqué À là. chaque fois, ouais, de toute façon c'est marqué là si vous savez pas lire. Si vous n'avez pas écouté, vous lisez, hein. Non, je plaisante. Donc ça, très très bon aussi. Et puis alors, je vais vous faire vite fait une présentation. Alors pourquoi on fait de la présentation? Forcément, si je le loupe, on ne le mettra pas, hein. Mais c'est pour quand même montrer la simplicité et l'impact de l'effet. C'est pour vous dire, il n'y a rien de travaillé du tout. Là, il n'y a pas de texte, hein, j'ai juste voulu faire comme ça. Mais c'est pour montrer que dans les ténios, cet effet est vraiment très beau, mais aussi très très simple. Vraiment très très simple. J'ai regardé le truc, la vidéo est terminée, c'est fait. Là, tu m'as dit que tu allais le mettre dans ton portefeuille. Ben, je vais les garder dans mon boîte, à part la boîte. Donc ça, il faut que je trouve une autre façon d'amener ce truc-là pour cacher, peut-être avec un billet de banque, je vais voir. Mais je vais les garder et je vais le faire pour voir. Parce que... C'est plat, tu mets dans le Ouais, voilà, portefeuille. exactement. Ça prend vraiment, vraiment pas de place. Et l'effet est très, très bon. Allez, petite présentation. Donc déjà, il y a une belle boîte Donc, il y a une boîte en qui va carton, bien. et voilà, elle est belle. Hop. À l'intérieur de ça, j'ai... rien dans la boîte de particulier. J'ai deux petits anneaux, un petit anneau jaune et un petit anneau Noir. noir. Très bien. Donc je vais les laisser ici séparés. Alors j'ai le premier anneau qui est jaune et le deuxième anneau qui est noir. D'accord? Hop, je vais vous montrer ici. Je vais approcher. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de souci. D'accord? On va faire un truc très simple, donc c'est facile à les reconnaître puisqu'elles ont forcément deux couleurs vraiment différentes. Ok? Alors l'idée est très simple, regarde bien. Je vais laisser le noir ici, je vais laisser le jaune ici. Quoique non, on va faire mieux. Je remonte les manches, je vais prendre l'anneau jaune qui est ici et je vais mettre l'anneau noir qui est ici. Et je vais prendre. Tiens, je vais prendre l'anneau qui est noir. D'accord? Cet anneau qui est noir ici, si j'ai ici, j'ai le noir, c'est qu'ici, j'ai le Jaune. jaune. Et pourtant, regarde bien, j'ai rien d'autre dans la main. D'accord? Si je passe juste la main dessus, comme ça, on a maintenant le jaune qui vient ici et j'ai rien gardé. Et si le jaune est ici, tu as compris que naturellement. Le noir. Le noir est ici. Ça fonctionne. Bien. On va faire plus fort que ça. Tiens, je vais les mettre comme ça et je vais les mettre dans la petite boîte. Juste ici, là, tu vois. Et pas triche, hein. J'enlève celle-ci, rien dans les mains et je vais prendre. Tiens, dis-moi une couleur. Jaune. Ok. Donc, je laisse le. Jaune dessus. Le jaune dessus et le noir sous la Boîte. boîte. Regardez bien, pas triche. D'accord? Je vais voir demain. Bien. Je mets juste ça ici, attention. Ça va vite, hein? Oui. Je vais voir demain. Si le noir est ici, t'as compris que. Dessous, il y a le jaune. Mais on va faire plus fort que ça, regarde. Je prends juste comme ça le noir, je fais ça, et ça devient Jaune. jaune. Donc t'as compris que si le jaune était ici, c'est que. Là, dedans, il y a le noir. Ça marche? Attends, on pourrait faire beaucoup plus fort que ça. D'ailleurs, tiens, c'est même pas dans la notice, mais je vais le faire comme ça visuellement. Le jaune et le noir. D'accord? Je vais prendre. Tiens, le noir. Je vais me mettre debout parce que je vais faire une petite passe. Regarde bien. Je prends juste le noir, je le mets ici, dans les mains. D'accord? Regardez bien, ça va aller très très vite. Hein. Ici, j'ai quoi? Noir, Et ici? jaune. Attention, regarde. Et maintenant, jaune. Et ici, noir. Ça va très très vite. Refaisons-le. Je vais prendre maintenant le noir. D'accord? Rien dans les mains et je laisse le jaune sous la boîte. Attention, 1, 2. J'appuie. Et quand je reviens, C'est jaune. j'ai maintenant le jaune et forcément dessous Le noir. le noir. Si je prends le jaune et que je le mets ici, on peut le transformer en noir. Mais si je prends le noir et que je le mets sur mon doigt comme ça, tu vois, juste ici, Là, il peut plus bouger. voilà, il ne peut plus bouger, c'est-à-dire il ne peut pas partir. Alors bien sûr, on pourrait penser que j'ouvre les mains, mais je ne vais pas le faire. Je décale ça ici, regardez bien, je me mets juste ici, je mets juste la main par-dessus, et si j'attends un petit peu, en amenant le jaune. Si on a compris que le jaune est ici, c'est que forcément, le noir est là. Bien. Ah, ça va très très vite. Et bien sûr, rien d'autre dans la boîte. Mais on va le refaire. Je vais laisser... Le jaune ici et le noir ici. Le jaune dans ma main, le noir dans la main. Je vais récupérer le noir et le noir, je le mets
dans ma poche. Donc qu'est-ce qui me reste? Jaune. Et bien pourtant, si on attend un petit peu comme ça, le noir passe dans ma main. Et t'as compris, bien évidemment. Alors, bien sûr, et t'as compris, bien évidemment, que dans ma poche, j'ai le jaune. Je peux toucher? De quoi? On peut examiner? Ah, bien sûr. C'est beau. Autant les petits anneaux que la petite boîte. Donc voilà, je l'ai faite un petit peu longue parce que du coup, je voulais vous montrer, on va dire, la petite passe en plus, comme ça, qui dit pas dedans, mais que je trouve très, très jolie. Et bien évidemment, le final, où forcément, dans le teaser, il n'y est pas, mais les anneaux donc peuvent être donnés, examinés à la fin, qui permet d'être totalement clean. Et voilà, hein, tout simplement. C'est sûr que tu plies ça, tu mets dans ton porte-monnaie. Exactement, c'est pour ça que je dis que je vais le garder sur moi, ce truc-là. Alors, je ne sais pas comment je vais l'amener, si... Bah, dans l'explication qu'on a faite, parce qu'on a déjà tourné l'explication, ça ressemble un petit peu au... Enfin, c'est dommage que c'est petit, mais ça ressemble un peu au bracelet parfois qu'on met dans les foires, dans les trucs comme ça, qui sont percés et qu'on a autour pour dire qu'on a payé la foire. Ça me fait penser à ça, moi. Alors, c'est vrai que c'est petit, donc bon, c'est dommage de dire ça, mais je vais voir comment je vais l'amener. Et bien sûr, pour éviter un moment, quand je suis dans cette phase-là, où donc je prends le jaune et je le transforme, tout ça, bien évidemment, là, dans une boîte comme ça, forcément, je ne peux pas l'avoir tout le temps sur moi, donc je vais voir si je ne peux pas arriver à faire ça, emprunter un billet de banque ou enfin, un truc, ou alors peut-être même directement un objet que je trouve sur la table, une tasse, ou je sais pas comment je vais pallier à ça, mais je vais essayer de trouver une idée pour qu'en fait me trimballer en fait tout le temps que ces deux petits trucs. Voilà, donc comme je dis, j'ai pas du tout de texte, hein, vous le voyez bien que je dis un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer toutes les séquences, toutes les passes, enfin toutes. Pas toutes, mais les séquences classiques qu'on peut faire, notamment les comme un copper silver, puisque c'est une routine entre guillemets de copper silver, hein, c'est cuivre et argent, sauf que là ça se fait avec deux petits morceaux de papier. Mais c'est vrai que c'est extrêmement visuel, puisque forcément ben, les deux couleurs se voient. Et comme le matériel est simple, ouais, on c'est peut, très on peut troublant. Pas qu'il soit truqué, c'est normal, c'est très troublant. C'est quand vous sortez deux petits morceaux de carton comme ça qui sont montrés recto verso, c'est vraiment très 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 troublant. Les passes sont d'une simplicité étonnante. Il n'y a rien qui casse. Il n'y aura pas d'élastique, il n'y aura pas de flap. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de flap, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de trucs qui se collent l'un sur l'autre. Ça reste vraiment deux morceaux de carton, entre guillemets, colorié, hein, tout simplement. C'est un genre de vinyle qui a été posé dessus, je ne sais même pas comment c'est fait d'ailleurs. C'est du pelliculage. Ouais, du pelliculage. Je cherchais le terme, j'allais dire vinyle. Pelliculage. Alors, au début, ils sont vendus à plat. Tout à fait. Et avec deux morceaux de scotch. Il y a juste, ils vous fournissent du double face, parce que on voit là l'ouverture du truc. Hein, donc on met un double face par-dessus, tac, donc, qui est vraiment découpé à la taille. On appuie, on fait bien les plis sur les plis qui sont déjà préformés pour pouvoir faire une petite forme elliptique, on va dire. Hein. Alors il y en a qui vont dire sûrement non, c'est un hexagone, mais non, le tour ne peut pas se faire comme ça en hexagone. Voilà, comme un œil de chat, donc en forme elliptique. Donc du coup, le truc est comme tous les teignos, hein, c'est vous le déballez, il y a toujours 2-3 trucs à coller avec du double face, et ça y est, le tour il est prêt. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer la simplicité vraiment de l'effet, et je trouve que c'est vraiment très très joli. Les passes sont de plus en plus crescendo, si on arrive, on change, là on fait un change comme un spellband, mais on se demande comment c'est possible, puisque on voit l'intérieur, puis après sur le pouce, puis après encore dans la main, puis dans la poche, enfin voilà, donc c'est vraiment très très joli, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça c'était une petite présentation de donc ce truc-là qui s'appelle donc, de mémoire au nez combe, je crois. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.